Sous la route en Twin Door, direction Italie. Oh yeah. Les Dolomites nous appellent, quelle belle folie. Encore un gars, une caisse et des rêves plein la tête. Let's go! On roule au rythme du feu, ça va être chouette. Bon, ben, on doit pouvoir passer derrière les cascades. Alors, bah, j'ai bien envie de me le tenter, quoi. Franchement, super rando. Voilà, je viens de vivre un truc vraiment intense. Voilà, ça doit être le fait d'être tout seul depuis le début de la marche. Vraiment, depuis que je suis parti, j'ai croisé personne. Voilà, toute cette nature magnifique. Et coucou les amis, allez, aujourd'hui, petite rando, on va peut-être même faire de la Via Ferrata, voir des cascades. Elle est classée assez difficile, 9 km, donc on va voir ça. Là, il est, je crois, 6h du mat' à peu près, quoi. Et le temps est nuageux, mais il pleut pas, donc on va croiser les doigts, pas trop de pluie, c'est la règle, depuis qu'on est sur les Dolomites. Moi, je suis en train de me faire chauffer un petit café, je vais me préparer. Mon sac, un petit sandwich pour la route et c'est parti quoi. Allez, ça y est, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai chargé mon sac, c'est parti. C'est une marche qui fait 9 km, donc je pars pas du même point de départ, relativement difficile malgré tout. Allez, ça doit être un peu ensoleillé, c'est pas le cas. Bon, mais c'est pas grave, j'ai deux kawé, un poncho, un kawé pour être exact, et puis c'est parti hein. On doit pouvoir passer derrière les cascades. Alors j'ai bien envie de me le tenter quoi. J'ai le matos. Alors pourquoi pas. Bon les amis, après petite réflexion. Car là littéralement je floupe un peu quand même, je suis tout seul. Mais je vais faire ce petit Via Ferrata là où on passe sous les cascades. Parce que sinon je vais le regretter. J'ai le matos, je vais essayer de protéger tout mon matériel et du coup je vais passer la GoPro dans un caisson, le son sera plus la même chose, donc là je vais essayer de faire vivre le truc comme je peux. Bon allez. Yeah.
On est arrivé en plein dans le canyon. On va aller jusqu'à la cascade. Je me rappelle. On va regarder sur un panneau, je vous dirais. Il fait AB, un truc comme ça. Franchement, ouais, c'est à tomber par terre. Regardez-moi ça. Wow. C'est incroyable. Oh. Ah. Sympa, hein? Ouais. Wow. En effet, c'est assez costaud la grimpette, mais ça le fait tranquillement. Après, c'est super bien balisé. Le tracé, il est impeccable. Franchement, pour l'instant, toutes les marches, les panneaux que j'ai pu voir, c'est quand même super bien fait dans les Dolomites. Donc la rando dans les Dolomites, ça aussi je valide à 200%. Bon, toujours avoir une carte ou un plan téléchargé sur son téléphone, mais c'est quand même très très bien indiqué et vous allez être très très nul pour se perdre. Ah, punaise. Valide. Ouais, on va. C'est reparti. Prochaine casque. Là maintenant, il va falloir faire attention de ne pas se mouiller les pieds. Parce que comme vous voyez là, je crois que je ne vais pas avoir le choix. Hein. Il va falloir se mouiller quoi. Alors là-bas, je crois qu'il y a une cascade elle est gigantesque. Je suis pas sûr. Parce que là. Ça passe. De toute façon, après la cascade, si je ne prends pas une averse, donc, logiquement, hein, ça devrait le faire. Je crois qu'on va de beauté en beauté, mais là, je crois qu'on arrive vraiment sur le coup du spectacle. Le must-have de la journée, franchement, bah, on va. Ah, c'était magnifique. Ah, c'était trop, trop beau. Wow. C'est trop beau. Voilà, je viens de vivre un truc vraiment intense. Ah, ça doit être le fait d'être tout seul depuis le début de la marche. Vraiment, depuis que je suis parti des trois, j'ai personne. Toute cette nature magnifique, passer sous les cascades, tout. Franchement, après derrière ça, un parcours de vie, plein de choses. Bref, j'ai été pris de bonheur. J'en ai même eu les larmes aux yeux. D'un autre côté, franchement, c'est tout grandiose quoi. Et merci à tous ceux qui me suivent. Moi franchement, c'est ça pour le kiff. Si vous vous prenez plaisir, tant mieux, c'est encore meilleur. En tout cas, on est bien là.
sortez de chez vous, bougez-vous, ça vaut vraiment le coup, quoi. Wow. Allez, là-dessus, on va reprendre la route du retour. En tout cas, pour aujourd'hui, déjà, c'est pas si mal. Et franchement, je me suis régalé. Alors, au cas où, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis. Allez, ça y est, j'arrive au lago di Sorapice, le lac de Sorapice.